la foire au savoir pour favoriser un partage des connaissances afin de trouver des réponses à la question de la faim et de l'insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette initiative est du CILS qui cherche les moyens de consolider la résilience à l'insécurité alimentaire. Sur cette thématique, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et ses partenaires se rencontrent pour 3 jours d'échange. Reportage signé de Karim Namouanou. En milieu rural et dans le Sahel africain, l'insécurité alimentaire n'est pas une vue de l'esprit. Les crises alimentaires sévissent et la quête quotidienne est la quantité beaucoup plus que la qualité des aliments. Comment amener les populations vulnérables à développer des capacités et des modes de subsistance face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle? C'est le défi du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et de ses partenaires dans l'État burkinabé. L'adoption des stratégies intégrées au sein des gouvernements, entre les gouvernements de la région et aussi avec la participation active de la société civile, des partenaires au développement et du secteur privé, accompagné de dotation de ressources adéquates pour des programmes à long terme permettront, j'en suis convaincu, de traiter durablement les causes structurelles de l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans le Sahel. La gestion durable des ressources naturelles, la gouvernance des crises, la protection sociale, la prévention et l'atténuation de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle sont parmi tant d'autres sujets inscrits dans l'agenda de réflexion. Nous savons que dans l'espace de CILS, plus de 55% de nos populations vivent en deçà du seuil de pauvreté et sont aussi engagées dans des productions, un système de production agro-silvopastorale de subsistance. Donc cet échange d'expérience va nous donner des leçons très précises qui ont marché, que nous allons prendre et vulgariser au niveau de ces populations afin de les aider à résoudre le problème. Les solutions de la sous-alimentation et de la faim se trouvent aussi dans le partage de connaissances. Cette foire des savoirs, espace réunissant des institutions nationales et internationales, s'inscrit dans cette perspective. Les réflexions et les échanges de stratégies pour l'atteinte de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest ouvriront la voie au dynamisme et à la bonne organisation du monde rural.